Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Non, des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Envie de faire une vidéo et je sais même pas par quoi commencer pour vous pour échanger avec vous en fait. Envie de parler de l'amour. Envie de parler de l'amour, l'attachement, le fait de d'aimer tellement quelqu'un que on est capable d'aller sonder et puiser en soi la force de faire des choses qu'on pensait même pas. Offrir la liberté par amour. Par amour, on peut faire plein de choses. Ça fait quelque temps que je réfléchis à ce sujet, la liberté, l'amour. Plusieurs fois, en fait, j'ai renouvelé cette réflexion. Et encore aujourd'hui, à 3 reprises récemment. Ça a été, en fait, pour Maury. J'ai eu la chance merveilleuse d'avoir dans ma vie un petit chouka, un joli corvidé, qui est arrivé 2-3 jours après une nouvelle lune. Ce fameux soir où je me trouvais dans une émotion assez intense. Et il est venu en fait dans un moment opportun de ma vie, qui m'a permis en fait de lui apporter du soin. Il ne savait ni correctement voler, ni manger, ni bien boire. Et ça a été un moment intense parce que un animal vous apporte bien plus que des mots. Une évidence. C'est incroyable comme les animaux nous remplissent de bonheur. Comme tout se passe par des regards, de la patience. Ils nous apprennent à être beaucoup plus doux, beaucoup plus conciliants, beaucoup plus aimants. Énormément de dialogues se passent par le silence. On y retrouve la joie, une saveur de vivre. Un émerveillement aussi, un émerveillement pour la vie, ça a été ça. Quand il est arrivé entre mes mains, je me suis dit « Ok, la vie me le confie à moi d'en faire bon usage et de pouvoir permettre à la vie de l'accueillir à nouveau. » C'est facile d'aller dans cette pensée et puis vient en fait l'attachement. Les moments complices. Puis ils vous remplissent ce vide qui fait qu'après vous avez peur. Peur que ce vide se reconstruise. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit que ça peut-être faire écho chez certains, faire réflexion, faire chemin. À 3 reprises, je me suis fait cette réflexion récemment. Et je me suis dit, une vie confiée est une vie en fait qui doit reprendre ses droits.
librement. Il savait manger, il savait boire, il savait bien voler, il savait bien se débrouiller. Je ne l'avais pas trop apprivoisé de façon à ce qu'il puisse garder un petit côté authentique, naturel, de façon à ce qu'il puisse faire ce qu'il veut, et faire ce qu'ils veulent, oui. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les animaux, c'est vrai. On n'a pas à imposer, on a juste à cohabiter. Comme lui m'a appris certaines choses, moi je lui en ai appris d'autres. En fait, c'est un inter-échange. Aujourd'hui, c'est le lendemain de la remise en liberté. Alors, autant dire que je suis encore un peu fébrile, mais que je me suis dit que peut-être improviser une vidéo et parler de la liberté, de l'amour, de l'attachement, du bien que ça fait que de permettre à un être de pouvoir reprendre ses droits, de s'essayer, de se tenter. Ça n'a pas été facile. Les deux premières fois, il ne voulait pas me quitter. Et à vrai dire, je le souhaitais. Et puis, il est venu ce week-end où je me suis dit non. C'est pas possible, j'ai pas le droit de souhaiter au fond de moi qu'il reste tout le temps avec moi ou qu'il revienne parce qu'il a à faire sa vie. Parce que finalement, ce qui s'est créé, ça meurt pas, ça reste. C'est cadeau, c'est offert, c'est du plus. C'est pas pris, c'est du plus. Donc, comme il m'avait été confié à moi en fait de refaire circuler la vie dans un cursus plus naturel. Alors, hier soir, la vie a repris ses droits, le naturel aussi. Et à vrai dire, j'avais peur et en même temps, je savais que c'était ça depuis un petit moment qu'il fallait faire. Vous savez, on retient toujours ce moment où il faut reculer ce truc qu'on n'a pas forcément envie. Et qu'on se dit, non, il faut le faire. Alors, on le fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai permis à Maury de s'essayer à la vie, alors qu'il avait toutes les billes en main, de ne pas avoir peur. C'est un joli message, finalement. Quand il a fait son premier vol, j'ai cru que c'était moi aussi qui m'envolais. C'était tellement intense, j'avais l'impression de le vivre. De le vivre à travers ses ailes, de le vivre tellement haut comme lui que quand il a volé pour la première fois aussi haut, aussi puissamment, j'ai su que c'était ça qu'il fallait faire. C'est beau. Alors le message de tout ça, c'est pas avoir peur d'offrir la liberté par amour, parce que le vrai amour n'est pas égoïste et qu'il va bien au-delà en fait de s'approprier à quelqu'un ou quelque chose. On doit être tous libres de s'essayer à voler de nos propres ailes et à s'essayer à la vie. C'était le message que j'avais envie de dire. Libre d'accueillir, libre de soigner, libre de panser ses plaies, libre d'aimer et libre de voler. Je vous embrasse. Je rêve.